Ça passe ou pas? Ça passe. Ah mon gars. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'intérieur d'une Porsche 992 GT3 RS de 2022 qui a établi récemment un record sur le Nürburgring, d'ailleurs qui a été battu récemment par Mercedes. C'est une session aussi que je vous avais partagée. Sur Assetto Corsa, toujours est-il, nous sommes sur City Car Driving. J'ai un peu peur de ce que ça va donner parce que ce modèle est tellement sublime. Peur qu'il soit amoché par le modeur qui nous l'a rendu disponible sur City Car Driving. Ça fait un bon moment d'ailleurs que j'ai pas remis la main dessus. D'ailleurs, je devais synchroniser mon compte tellement ça faisait un bail que je l'ai pas lancé. Bref, allez, on va se faire plaisir. Ok, bon, déjà là, c'est une petite horreur qui commence à démarrer. Bah, évidemment, quel gâchis. Bon. En tout cas, là en Sport Plus, ça c'est plutôt cool de l'extérieur. Ok, sinon on va regarder de l'extérieur ce que ça donne. Non, franchement, le respect il est mort. Bon, merde, pied sur le frein. Ah, caméra de recul et tout. Non, je suis choqué. Ah ouais, non, là par contre, il a remonté quand même la petite notation. On va enlever le frein à main quand même. Bah, allez, let's go. C'est vrai que la non prise en charge du triple screen là, c'est quand même merde. J'ai toujours l'habitude de passer. Ah ouais, putain, l'envoi. Hein. Il y a pas de prise en charge du triple screen. Alors, bah, aller sur l'autobahn. Il y a pas de prise en charge, même si on peut appliquer la résolution triple screen sur les côtés, on a cette vue complètement étirée. Le son est horrible. Le son est complètement horrible. Il y a un retour de force, mais c'est plus une résistance sur le volant qu'autre chose. Pas réellement d'infos sur... voilà, là par exemple, on a eu une petite vibration parce qu'on a perdu du grip. Une fois, je me souviens, il a écrit un commentaire, il a dit « Tu dois être le seul encore à jouer à City Car Driving. » Je pense qu'il a pas tort. Qui joue encore à City Car Driving en 2022-2023? Maintenant, si on veut du trafic, on va sur Assetto Corsa et ça fait largement le taf. Human Driver, le jeu que je vous avais présenté récemment, qui a été développé par un français. D'ailleurs, faudrait peut-être que je me remette dessus. Ah ouais, le son est vraiment horrible. On dirait une chorale de primaire. Ils sont pas dans les... ils sont pas dans les bons... dans les bons temps, dans les bonnes cordes. Ça passe ou pas? Ça passe. Ah mon gars. Je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Ouais, la direction elle est vraiment bizarre. La direction, le freinage, tout est bizarre. Si vraiment il y avait une physique digne d'un Assetto Corsa dans un jeu pareil. Ah, ok, personne n'a vu. Là la popularité du mode trafic sur Assetto Corsa, je vous jure qu'il devrait y avoir un mec qui crée un jeu dédié à ce genre de délire. D'avoir des petites portions comme ça de route, d'autoroute, départementale, genre de truc. Plusieurs types de bagnoles, comme ce qu'on peut trouver par exemple sur Forza. Tu mets ça, la physique d'un R-Factor, ou allez, Assetto Corsa, ça fait largement le taf. Et t'es bien. Là, vraiment, je parle pour donner la chance à tout le monde. Parce que beaucoup, malheureusement, sont sur console. Et sont malheureusement restreints de ne pas pouvoir profiter d'un mode trafic qu'on peut trouver sur Assetto Corsa PC. Avec un petit cross-platform, ah je vous jure, on s'éclate. Hein. Là, mon parole, le mec, il fait ses ventes. Hein. Bon, après, je pense que c'est peut-être aussi redondant. C'est un truc qu'on peut faire que de temps en temps, on s'amuse, on se fait la mode. Entre les bagnoles, c'est pour ça que j'en propose que de temps en temps. Histoire de pas trop me faire chier, vous faire chier. Parce qu'au bout d'un moment, tu tapes dedans, tu se la lames entre les bagnoles, comme je fais ici. Mais là, on a vraiment de la circulation. Urbain. Pour ceux qui ont la référence, franchement, le mec qui a la référence de urbain, ok, ben moi c'est citadin. Si vous avez la référence de ça, putain, ah, je vous respecte à vie. Ça veut dire que tu me respectais pas avant. Non, franchement, pour ceux qui ont la ref, vous êtes trop fort. Vas-y, on va essayer de se refaire un petit parcours de la mort. Là, je suis pas mort. Heureusement que cette voie était vide.
direction, je te jure, elle est horrible. Tu touches à peine... Voilà. Horribilitus. Attends, tu sais quoi? On va essayer un truc. Ça devrait s'appeler Front Simulator. Là, je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort. Il m'a rentré dans l'enfoiré. Ah, l'enfoiré, ça schlag, va. Ah non, mon gars, je suis deg. On va voir ce que ça donne. Dans le trafic. Dans la ville, ça passe pas. Bah ouais, ça passe pas, gars, ça passe pas. Bon allez, on va tester la caméra de recul. Eh, franchement, pas mal, hein. Bon, dommage, les trains ne bougent pas. On va pas en demander trop. Putain, j'ai toujours l'habitude de monter et descendre les rapports, alors que... On est sur City Car Driving, quoi. Là, je vais où? On va tout droit. Je suis en sens inverse, moi. Non, mais tu me crois, je viens de remarquer qu'en fait, la caméra... Il y avait aussi la caméra du dessus. Bon, décidément, on a du mal à retrouver le bon sens du trafic. Comment tu peux espérer faire un mode d'une GT3 et avoir ces fichiers audio qui sont associés à ce mode? Parce que franchement, esthétiquement, l'extérieur est plutôt bien foutu. À l'intérieur, il y a pas mal de détails. La petite caméra de recul qui va bien est bien complète en plus, mis à part les petits trucs qui ne bougent pas, ça reste un détail, je suis mort. Non. C'est dommage que la bande son, j'ai l'impression qu'ils sont limités à une qualité audio, à un type de fichier audio qu'ils ne peuvent pas modifier ou améliorer, je sais pas. Je suis pas spécialiste là-dedans, mais... Ah, c'est pas sérieux là. En plus, le Final Lab, évidemment. Merde, ça ne marche pas. Ah, mais regarde-moi ça. Ah, là, la tremblote, quoi. Parkinson. Bon, tu sais quoi, on va s'arrêter là. On va aller se poser à cette station de service parce qu'elle est juste horrible. Et à conduire, et sur la partie audio, bon, pour ceux qui veulent se la procurer. Pourtant, elle est bien notée hein, sur le workshop. Hein. 5 étoiles. Bon, peut-être parce que c'est juste le mode extérieur qui fait kiffer. Mais non, sinon, clairement, de la partie audio de la conduite, elle est vraiment à chier. Bref, j'espère en tout cas que cette session, cette petite balade avec cette 992 vous aura plu. N'hésitez pas à partager un avis dans l'espace commentaire. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt. Et ciao, ciao tout le monde.